Aujourd'hui, je vais vous parler de comment moderniser votre équipe de développement. Et vous devez bien vous demander ce que ça veut dire. Donc, en fait, moi, il y a quelques années, j'ai fait un constat. C'est que je faisais beaucoup de veille techno tout le temps. Ça, c'est ce que je fais dans ma vie quotidienne. Je pense que j'en fais plus que ce que je travaille, mais c'est un autre sujet. Et j'étais fasciné par toutes ces grosses boîtes, genre Amazon, qui fait que la première journée d'un dev, il fait du code et c'est poussé en prod directement. Où il y avait une vidéo sur, je crois que c'est Spotify, avec une super organisation, avec des équipes, des tribus, des machins, c'est génial. Et moi, je me suis dit, c'est bien, ça a l'air de super bien marcher, toutes les continuous integration, les tests automatisés, tout ça. Mais ça marche chez d'autres boîtes, en fait. Chez moi, ça marche pas. Chez moi, j'ai essayé, j'en ai parlé à mes collègues, et à chaque fois, on n'arrive pas, on ne peut pas les mettre en place, et j'arrive pas à savoir pourquoi. Donc, j'en ai parlé à des potes, des gens que je connais, des gens que je rencontre dans les meet-up. Et ce constat, en fait, j'arrête pas de le faire, c'est que tous les développeurs que je rencontre, ils sont convaincus comme moi qu'il faut faire des tests, que c'est important d'avoir une CI bien en place, que c'est important que les nouveaux puissent mettre du code en production assez rapidement. Et il y a un gouffre énorme entre ce que tous ces devs me disent qu'ils aimeraient bien mettre en place et ce qu'ils arrivent réellement à mettre en place. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode, en fait, que j'ai un peu extraite des différentes expériences que j'ai eues dans le passé et qui permettent de mettre ça en place progressivement et assez simplement. Je me présente, moi, c'est Romain Soufflet, je suis indépendant, je fais des missions sur justement ces principes de déploiement continu, le pipeline de mise en production, comment on passe donc de l'équipe de dev jusqu'à la mise en production finale et comment on automatise ça et comment on fait pour qu'on n'ait plus réellement besoin d'Ops au quotidien, qu'il soit plus là en tant que support plutôt qu'en tant que passerelle vers le déploiement. Donc moi, cette méthode, je la divise en quatre grandes étapes. C'est pas vraiment des étapes que vous êtes obligé de suivre, hein. C'est plus une façon de penser, une façon de réfléchir à la chose. Donc, voyez pas ça comme quelque chose d'assez figé qu'il va falloir mettre point par point. Et je commence tout de suite avec l'étape zéro. Je parle de l'équipe. Donc, je pars pas de zéro parce que j'ai un background dev et que je suis monomaniaque avec on commence à zéro parce que c'est comme ça. Si je pars de zéro, c'est surtout parce qu'en fait, dans cette étape-là, vous n'avez pas grand-chose à faire réellement. Là, je vais plutôt vous parler du mindset à mettre en place. Quand je parle de l'équipe, la plupart des managers se disent qu'une équipe, c'est 5 devs on met dans une même salle et ils partagent un repo Git, ça y est, ça fait une équipe. En fait, c'est pas ça. Si vous voulez travailler en équipe, il va falloir que vous partagiez un but commun. Il va falloir que vous vous mettiez tous ensemble, tous les humains qui composent votre équipe, que vous alliez commencer à discuter, à vraiment accroître votre communication, vous entraider, vous poser des questions mutuellement. Le but, c'est d'avoir non pas un groupe de personnes qui travaillent sur un même projet, mais vraiment une entité commune, en fait. Donc ça, pour mettre ça en place, c'est pas trop compliqué. Le meilleur conseil que je peux vous donner là rapidement, c'est d'aller boire des bières ensemble. Déconnez pas, ça marche vraiment bien. Ça marche bien. Ou alors un baby-foot ou un ping-pong, peu importe. Mais faites des connexions. Parlez-vous, c'est vraiment important. Je compte même pas les boîtes où j'ai été, où il y avait 15 personnes, ils ont chacun leur repo et personne ne se parle. Et même pour manger, ils ne mangent pas ensemble. C'est horrible comme concept. Vraiment, vous avez besoin de communiquer. Vous êtes des humains qui bossent avec des humains. Donc la première étape, si vraiment vous voulez mettre en place quelque chose de nickel, c'est de bosser ensemble. Derrière, une fois que vous avez votre équipe, on va entraîner cette équipe. Ce que ça veut dire, c'est que votre équipe toute seule, si vous continuez de la même manière que vous faisiez avant, vous avez une meilleure ambiance, ce qui est déjà un grand plus, hein, on ne va pas se le cacher, mais vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. Donc en fait, là maintenant, l'idée en fait, c'est que maintenant vous allez prendre des décisions d'équipe. Déjà, le fait de présenter votre équipe à vos managers ou à votre client, il n'y aura plus d'individualité. C'est-à-dire votre client va pouvoir accuser l'équipe si jamais il y a un bug. Il n'accusera pas le développeur qui a mal codé sa feature. Même si le dev front, il est tout seul sur le front et que c'est de sa faute, on s'en fiche en fait. C'est l'équipe qui prend la responsabilité. Et ça, ça change énormément de choses dans votre quotidien et dans l'impression que vous absorbez vous-même en tant que dev. Et dans cette phase d'entraînement, vous allez commencer aussi à prendre des décisions communes à l'équipe. Ces décisions, ça va plus être des manières de faire, en fait. Là, par exemple, la décision de prendre un linter, de dire les sauts de ligne, on les fait à tel moment, on met des virgules à la fin de la ligne ou pas, on met des virgules. C'est un débat courant chez ceux qui font du JavaScript, si vous connaissez. Ça, c'est la partie... C'est quelque chose qui va permettre non seulement d'avoir une bonne ambiance, parce que c'est l'équipe que vous avez bâtie, que vous avez construite, avec toutes les private jokes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire derrière,
mais maintenant, vous allez avoir un socle commun de travail. Ouais, c'est ça que j'avais oublié. C'est pour ça que j'avais besoin de notes. Concrètement, là-dedans, ce que je voulais dire dans le set commun, c'est que ce dont vous avez besoin, en fait, c'est d'une entité neutre qui va vous permettre de valider en fait, ce que l'équipe doit produire ou pas produire. Un problème récurrent, si je prends par exemple la code review, c'est un truc assez simple à mettre en place une fois que vous avez une équipe qui s'entend à peu près bien. Quand vous mettez une code review en place, la bonne question qui arrive derrière, c'est qu'est-ce qui fait qu'un code est bon ou il n'est pas bon. Des fois, on a une code review qui va être refusée parce que la variable est mal nommée. C'est frustrant parce qu'en tant que dev, une variable bien nommée, ça ne veut pas dire la même chose entre deux devs différents. Dans le code, il y a vraiment une partie qui ne pourra pas être rationalisée. Et si jamais vous ne mettez pas en place quelque chose de le linter qui n'est pas humain, qui va vous donner un cadre qui sera vraiment défini, vous allez toujours avoir des conflits dans l'équipe qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place quelque chose de neutre. Et moi, je conseille de le personnifier, de lui donner un petit nom. Alors, en fait, la blague, c'est que d'habitude, moi, je leur donne des noms de genre Jarvis, comme dans Iron Man ou un Terminator. Et nous, le nôtre, il était un peu handicapé, donc on l'avait appelé Timmy. Mais comme je vous ai montré le slide avant, en fait, la blague, elle marche pas. Donc, c'est triste. Bref, ça fait pharaon, tout ça. Bon, du coup, si je récapitule, là, sur les deux premières étapes, en fait, concrètement, en fait, vous n'avez pas besoin vraiment de travailler dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux premières étapes, c'est juste le terreau sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour pouvoir continuer à faire des choses. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas ces deux premières étapes-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec les humains qui sont dans votre équipe, si vous n'avez pas des pratiques communes et si vous n'êtes pas à peu près d'accord sur l'approche pour satisfaire votre client, vous ne pourrez pas bâtir la suite. Donc ça, c'est vraiment les deux étapes essentielles qu'il faut vraiment comprendre. Et derrière, on peut commencer les choses plus concrètes, donc des choses plus techniques. Avec un level 2, c'est l'automatisation. Maintenant que vous avez une entité un petit peu personnifiée qui va pouvoir accepter des scripts ou des codes ou peu importe ce que vous voulez, ça peut être sous forme d'un repo Git ou de 5 repo Git, vous allez pouvoir lui donner des choses à faire. C'est-à-dire que le linter, que vous êtes tous mis d'accord pour l'utiliser et le faire sur votre PC, bah là maintenant vous allez le donner à faire à un robot qui sera sur un autre serveur. Vous allez avoir des tests aussi, pour NPM test ou TOX sur Python ou peu importe ce que vous utilisez. Ce sera aussi une machine, un serveur et sur un environnement neutre. Et là où vous allez commencer à gagner énormément en tant qu'équipe, c'est que toutes les notions de « chez moi ça marche », c'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez un truc qui tourne sur votre machine de développeur, ça doit tourner sur la machine générique de la team. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de but et d'étape à atteindre. C'est juste que quand vous automatisez, l'idée derrière, c'est un mindset, c'est l'amélioration continue. Vous n'avez pas besoin que votre test coverage soit à 100% tout de suite, on s'en fout complètement. Tout ce qui importe, c'est que quand vous faites une pierre, votre couverture de test, elle augmente légèrement. Et en fait, au bout d'un moment, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez un projet qui sera nickel. Par contre, il ne faut jamais compter que ça se fasse du jour au lendemain. C'est juste que maintenant que vous avez les outils, vous avez une équipe qui s'entend bien, vous pouvez donner ça à un script automatisé et ça va s'améliorer progressivement, progressivement. Et on arrivera de manière naturelle, si tout se passe bien, à l'étape 3, donc l'industrialisation. Cette industrialisation, c'est que maintenant, en fait, tout ce que vous avez pouvoir mettre en place, donc sur les étapes 0, 1, 2, si vous mutualisez ça, maintenant, ça va transcender, en fait, votre équipe. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est que au sein de votre équipe, au sein du groupe que vous êtes, ça vous a aidé à être plus productif, ça vous a aidé à faire du code plus propre, plus structuré, peut-être plus joli. Là, l'idée maintenant, c'est que vous allez automatiser tout ça. Donc, le code, il ne sera peut-être pas automatisé, sinon vous n'avez plus de boulot, c'est dommage. Les tests, l'intégration, vous pouvez même faire le déploiement chez vos clients. Bon, là, après, on parle d'infrastructures quand même beaucoup plus grosses. Amazon peut arriver à déployer automatiquement son SaaS qui est énorme. Il y a assez peu de chances que dans une boîte de 30 personnes, on y arrive. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Mais vous avez quand même l'idée. Et derrière, en fait, le déploiement, même s'il n'est pas totalement automatique, même si vous avez une phase de validation sur la QA et les personnes qui s'occupent de faire le PO, de faire une validation humaine, malgré tout, ce déploiement, il durera plus que 30 minutes et non pas 3 jours. Et 3 jours, je ne prends pas au pif. Hein. J'ai vu des boîtes qui prenaient 3 jours. J'ai même vu des fois des déploiements de 2 semaines. Donc au final, si je conclue, en fait, ces 3 étapes, moi, je les ai découpées comme ça parce que c'est ce qu'on a réussi à mettre en place dans mes expériences passées. C'est ce que j'essaye d'appliquer quand je vais dans une mission maintenant. C'est-à-dire que je vais d'abord faire un audit comment l'équipe de dev fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils s'entendent.
Et c'est un travail de fond, c'est plus que des étapes à retenir. Je veux dire, pour moi, c'est un outil qui est assez pratique parce que ça vous permet d'avoir un peu une roadmap assez rapidement. C'est vraiment l'idée qui est derrière qui est importante. C'est déjà, dans le premier lieu, dans votre pilier, ça va être d'accepter que votre équipe, ce sont des humains. Ils sont différents, ils ne bossent pas pareil. Mais vous avez besoin d'accepter qui ils sont, vous avez besoin de tisser des liens, parce que c'est sur ces liens-là que vous allez pouvoir construire une vraie équipe. Et un endroit où vous allez être content de travailler. Et là, ce qui est magnifique, c'est que si vous arrivez à mettre tout ça en place, vous, normalement, vous serez suffisamment fier de votre équipe pour pouvoir en reparler, mais genre, toute votre vie, quoi. C'est genre l'expérience qui est mais au top du top de ce que vous pourrez avoir. Et non seulement vous avez tout mis en place, mais vous avez offert à tout l'ensemble de l'équipe un cadre de travail qui est genre idéal. Et genre que vous aurez peut-être du mal à retrouver ailleurs. Et je suis même peut-être sûr que vous ne le retrouverez jamais parce que les private jokes que vous aviez avec cette équipe-là, ce ne sera pas les mêmes avec une autre équipe. Merci beaucoup. La question c'est, est-ce que je l'ai déjà mis en place? Est-ce que cette méthode a vraiment fonctionné? Alors, la réponse est oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai mis en place dans une boîte qui s'appelait à l'époque NanoCloud. Et en fait, ça nous a mis... On a pris un an et demi à faire tout ça, en fait. Ça a l'air simple, hein, mais on a mis un an et demi. Ça a mis beaucoup de temps, on a fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup itéré. Mais en fait, on y arrive. C'est le temps qui compte. Après, j'ai été dans des boîtes un peu plus grosses qu'une start-up, où il y a plusieurs équipes. Et le vrai frein que j'ai eu dans ces grosses entreprises à mettre en place ce genre de méthode, c'est que... On avait une hiérarchie qui voulait rationaliser comment les équipes fonctionnent. Et donc au final, on avait quelqu'un qui ne faisait pas partie du métier, qui ne faisait pas partie de l'équipe de dev, qui venait nous dire, dans les autres équipes, ils bossent comme ça, donc vous devez travailler comme ça. Ça, il faut vous en détacher. Je veux dire, les humains de votre équipe ne sont pas les mêmes humains que de l'autre équipe. Vous avez besoin de vous émanciper, de faire votre méthode, et en fait, de l'adapter à qui vous êtes, vous. Et ça, c'est vraiment très important. Après, sur le temps que ça prendra, ça dépend que de vous. Enfin, vraiment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais c'est possible. La question, c'était si on a un contributeur dans notre équipe qui fait une boulette et deux boulettes et trois boulettes, est-ce qu'on le tape à la fin? J'avoue que là, on touche un peu le cœur du problème. C'est dans une équipe, vous choisissez pas vos collègues. Vous choisissez jamais vos collègues. Donc en fait, il faut savoir composer avec des profils difficiles. J'ai eu des profils, je veux dire, difficiles à manager dans le sens où ils étaient quasiment toujours contre les idées de l'équipe en entier. Mais au final, on a réussi à tourner ça d'une manière constructive. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un ingénieur juste mauvais. On a déjà vu des ingénieurs ne pas s'entendre, mais en général, s'ils donnent leur point de vue, c'est qu'ils ont une raison de le faire. Donc il faut faire cet effort, ça peut être pénible, mais faire cet effort de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord et d'essayer d'aller plus loin. Alors, quand je dis ça, c'est un peu utopique parce que c'est vraiment dur humainement d'aller sur les frustrations. Surtout en plus si on a un historique avec la personne. Enfin, après, à un moment donné, il y a un point de non-retour. J'arrive pas à croire qu'il y a des ingénieurs mauvais en fait. Je pense vraiment que si on prend le temps d'être avec eux et de les aider, ils vont devenir bons. Après, est-ce que ça rentre avec votre contrainte de temps et votre budget? Ça, c'est une autre question. Si vous avez besoin de livrer le projet la semaine prochaine, autant l'écarter cette semaine-là parce que vous avez besoin de livrer le projet. La question, en fait, c'est comment on fait quand on a des cas vraiment extrêmes, des gens qui n'ont d'apparence rien en commun entre quelqu'un qui écoute du hip-hop ou du métal, comment on fait pour qu'ils arrivent à travailler ensemble? En fait, ça, c'est la partie dure du management. Ça, c'est un sujet qu'au départ, je voulais présenter en 40 minutes. On m'a demandé de faire un talk de 20 minutes, puis maintenant de 10. Le management, c'est vraiment un sujet complexe. Les humains sont tous différents et quand vraiment on a l'impression que les deux sont vraiment complètement opposés, malgré tout, ils font un métier qui est très similaire. Il faut toujours trouver qu'est-ce qu'il y a en commun sur les deux personnes. S'ils ont un sujet à discuter, peu importe s'il y en a un qui est de droite et l'autre de gauche, il faut juste qu'ils parlent pas politique en fait. L'idée, c'est rassembler dans l'équipe ce qui vous permet d'avancer ensemble. Après, qu'il y a un loup solitaire qui mange toujours tout seul, bah, après tout, c'est son caractère, faut l'accepter. Mais c'est la partie vraiment compliquée du management, il y a des bouquins entiers là-dessus. Je ne vais pas pouvoir répondre entièrement à cette question parce que c'est vraiment, ça dépend de l'humain que vous avez en face de vous. Mais si je dois rapidement faire un peu l'essence de ce qui doit être fait, c'est trouver ce qui rapproche ces personnes-là et essayer de les faire échanger sur ce qui les rapproche et pas ce qui les différencie en fait. C'est un peu utopiste parce qu'il y a des fois où ça marche vraiment pas, mais bon. C'est compliqué, ouais. C'est vraiment une science à part. Est-ce que ça
La question, c'est est-ce que c'est plus difficile dans les petites boîtes ou dans les grosses boîtes, parce que les grosses boîtes, il y a plus de gens, peut-être c'est plus difficile de se parler. Moi, j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que quand on a, enfin, après, ça dépend aussi comment vous constituez vos équipes. Si vous êtes dans une grosse boîte et que vous considérez qu'une équipe, c'est les 30 personnes qui sont dans l'open space, 30 personnes, c'est trop large. Vous ne pourrez pas parler à tout le monde. Vous ne pourrez pas vous entendre avec tout le monde. Si vous faites des équipes de 5-6 personnes, c'est beaucoup plus simple de se parler. Ça, c'est... Moi, je considère que des équipes doivent rester petites. Et après, on peut travailler entre équipes et faire un peu à la Spotify avec des messagers entre les équipes. Mais si vous avez une équipe où il y a 40 personnes, enfin, logiquement, humainement, vous ne pourrez pas vous entendre avec tout le monde, vous ne pourrez pas connaître tout le monde. C'est, vous serez obligé de sur... Enfin, connaître le prénom de la personne qui est assise à côté de nous, ça ne suffit pas à la connaître, en fait. C'est ça l'idée.